Bonjour à tous, on débute aujourd'hui en une de Marca qui enclenche le mode Euro 2016 à 5 jours du lancement de la compétition. Mais le quotidien madrilène parle également Mercato et nous apprend que l'Atlético Madrid a refusé 400 millions d'euros pour 5 de ses joueurs depuis la finale de Ligue des Champions. Alors que l'avenir de Diego Simeone est incertain, l'entraîneur aurait tout simplement exigé que ses cadres comme Oblak ou Griezmann restent au club, quel qu'en soit le coût. De son côté, le FC Barcelone poursuit ses recherches pour offrir à la MSN un joker de luxe. Après Gamero, Nolito ou encore Vieto, Sport dévoile une nouvelle piste ce matin. Les Blaugrana penseraient rapatrier un autre ancien de la Masia, à savoir Antonio Sanabria, auteur de 11 buts en Liga cette saison pour Gijón. En Italie aussi, le mercato bat son plein et les rumeurs sont amplifiées ces dernières heures par le rachat imminent de l'Inter Milan par des investisseurs chinois. Ces derniers seraient bien décidés à renforcer massivement les Nerazzurri. Et aujourd'hui, le Corriere dello Sport assure que les pistes prioritaires se nomment Yaya Touré et Stefan Lichtsteiner, le latéral suisse annoncé ces derniers jours dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le PSG qui cherche surtout un attaquant pour succéder à Zlatan Ibrahimovic, et si les supporters rêvent de piocher un buteur dans un cadre européen, les dirigeants franciliens ont peut-être une idée plus économique. Selon Photomac, Paris pourrait se rabattre sur Robin Van Persie. Le quotidien turc évoque même une rencontre sur la Côte d'Azur entre Olivier Létang et le buteur de Fenerbahçe. Son prix est largement à la portée du PSG puisque le Néerlandais est estimé à 11 millions d'euros. Et pendant que le PSG n'en est qu'au stade des tâtonnements, Arsenal est en train de mettre un grand coup d'accélérateur sur le mercato. Alors que l'arrivée de Jamie Vardy semble imminente, le Sun affirme ce matin qu'Arsène Wenger est également en négociation avec Riyad Mahrez. Comme pour Vardy, les Gunners pourraient tout simplement payer la clause libératoire de l'ailier algérien et s'offrir un incroyable coup double. En tout cas, si cette rumeur se confirme, le coup sera terrible pour le champion d'Angleterre qui cherche déjà un remplaçant à Jamie Vardy. Et si Ranieri pensait l'avoir trouvé avec Islam Slimani, le quotidien Abola croit savoir que les Foxes ne parviendront pas à s'aligner avec les 30 millions d'euros de sa clause libératoire, à moins que les départs de Vardy et Mahrez ne changent la donne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et à demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.